Donc ouais, si t'en demandes 100, là, par contre, je vais pleurer. Tu vois le truc? C'est bien pour ça que j'en fais jamais d'ailleurs. Et puis si le patron ira, je vais lui dire. Bon. Je crois vraiment que je vais passer 60 minutes pour juste 60 bouts de tissu. Non. Hein? Oh là, je comprends pas trop ce que tu dis. Ah, bah en fait, quand on Tu fait nous les rachetais customs combien? ou les réparations, si les clients ils sont pas du style à vouloir tracer trop vite, bah, j'ai le temps de leur en offrir un, tu vois. Et Ouais, mais sinon, vous les rachetez combien? on les rachète pas, on les fabrique. Ah, mais vous avez pas besoin de tissu pour les fabriquer? Non, non, c'est comme les cartons. Je sais combien là? 440. Putain, mais le timing est bon quand même. Au moment où je reviens, t'arrives, c'est excellent. C'est quoi? Au moment où je reviens, t'arrives pour tes cartons, c'est excellent. Ton timing est bon. Moi j'ai toujours des bons timings, mais c'est les autres qui ont pas des bons timings avec moi. Pour te dire, en une semaine j'ai fait trois fois Burger Shot EMS parce que j'ai arrivé pile à des endroits où la personne faisait un malaise vagal ou une déshydratation. Ouais, je vois, je vois. Du coup, j'allais les chercher à l'hôpital et puis je les ramenais. On en a eu un cet après-midi en plein milieu du garage. On m'a déjà dit de faire Mais genre Burger vraiment. Shot Car Wash. Oh. Ouais. Comme ça, je peux faire Burger Shot Car Wash EMS. Car Si. wash. Oh, ça, Ouais, car sur le wash. parking, on m'a dit de laver les voitures sur le parking en déguisement de burger, ça pourrait être sympa. Ouais. Avec des mecs musclés et tout. Ça fait rougir les nénettes. Faut être à la clientèle comme ça. Ah ouais, hein, faut varier. Alors on a bien une licorne pour les mecs. Quoi? Moi j'y vais pas là-bas. Oh, ça coûte rien de se rincer un peu l'œil. Ça coûte rien de se rincer un peu l'œil. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai mal aux yeux quand je vais là-bas, moi. Mal aux yeux? Ah ouais, au niveau des effets lumineux. Ok, j'en ai 500. Je te mets ça où? Je peux le mettre dans le coffre. Dans le coffre directement. Il y aura pas la place. J'en prendrai quelques-uns sur. Aaron les portera sur ses jambes quand il conduira. Ah non plus. Ah non plus. Ah wow. C'est si lourd que ça? Ah c'est 50 kilos quoi. Ouais, ça pèse. Ouais, tranquille. Ah tu... Voilà. T'as fini de crawler sur TikTok? C'est sûr qu'il est sur TikTok, il est pas sur Tinder là? Ouais, je crois que. Putain, il like des mecs. Il like Ah des ouais. mecs? Oh putain de merde. Mais d'ailleurs c'est lui qui est venu livrer les burgers je crois l'autre fois. Non, c'était le Renoir. Ah ouais? Putain, ok, moi bah, j'ai pas fait gaffe. Je te jure, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Aaron. Putain, il a fond dedans en plus, hein. Il a... Attends, je vais essayer de le chatouiller. Le chatouillet. Attends, je m'écarte. Comment je fais ça de nouveau?
Comment je peux le chatouiller? Aaron? Ouais, il m'a l'air vraiment concentré sur ces mecs là. Ouais, là, il... à fond dedans. Attends, bah du coup, ouais, je vais ranger ma voiture, je vois. Excuse-moi, ouais. Putain. C'était des mails importants, chef. Non, mais on sait que t'étais en train de liker des mecs sur Tinder. Et du coup, les 500, c'est 3000, hein, c'est ça? Quoi? C'est pas gratuit? Bah non. Ouais, non, je crois que c'est ça. C'est 6$, donc ouais, c'est ça. C'est 3000. Par contre, après, j'aurais des problèmes avec le patron aussi. Si je l'ai fait gratuit. Bah, vous le dites pas? Bah ouais, tu le dis pas. Bah, y'a des caméras partout ici, mec. On est dans un bâtiment. Vous êtes dans un garage. Ouais. Moi, je vois pas de caméra. On m'a dit, y'avait juste une paire de caméras dans les toilettes des filles. Ah, peut-être dans votre restaurant, ouais, mais ça, c'est pas ici. Ouais, qui peut être comme ça. Bah, écoute. On est dans un garage ici. On est au Bénis, hein, on est pas chez mamie. On est pas chez quoi? Chez mamie. Excellent. Oh putain. Je te fais une facture du coup ou tu veux payer en cash? Payer en cash. Facture s'il te plaît. Facture? Alors attends. Sinon Aaron il te paye en liquide. Ah non, pas en nature, non. En nature, voilà. Ouais, j'ai plein de liquide en plus. J'ai acquis là avec des mecs sur Tinder. J'en ai au moins 6. Du coup je l'envoie à Aaron la facture? Ah, tu peux pour rembourser les réparations de la voiture. Non, t'es mal barré si tu veux, je te paye tout de suite hein, en tout cas. Je crois qu'on a 7 mois pour te payer, bah je vais te payer dans 7 mois. Ah, parce que c'est lui qui avait abîmé le moteur l'autre fois là, ok. Lui il pionce au volant, ce con. Je pionce pas au volant, je suis narcoleptique. Mais c'était pas toi qui étais venu une fois avec une voiture et qui dormait debout, qui repartait? Non, non. Non? Bah non, je suis jamais venu ici, c'est la première fois. Non, parce qu'une fois j'ai un mec qui est venu ici ouais, pour une réparation. Le mec s'endort par terre. Et commence à me parler de God ceinture, je ne sais pas quoi. Dans son sommeil. Ah, c'était flippant. J'ai plus jamais vu le connu. Il faisait des trucs pendant qu'il dormait? Bah non, j'étais en train de réparer la voiture moi. Bah, faudra vérifier ça sur les caméras de sécurité. Ouais, bah ouais. Ça c'est inquiétant quand même s'il parle en dormant. Ouais, il est de ceinture. Ah, il m'a sorti des trucs, je me souviens pas de tout, mais c'était vraiment. Bah, c'est comme moi, hein. Il prépare sa nuit, quoi. Une fois, je faisais un camping sauvage et puis j'ai rêvé que j'étais au ski, alors que en fait, je dormais juste entre deux copains. Ah, ouais. Donc ouais, j'étais en train de jouer avec les bâtons de ski. Oh merde, oh non, oh non. Oh non. Oh putain, butez-moi s'il vous plaît, putain. Je veux plus avoir cette image en tête. Ouais, bah ça arrive hein. Ouais. Je fais un peu de rugby et comme on dit, c'est les copains hein, les copains. Ah, oh, c'est rigolo, c'est les copains quoi. C'est rigolo, c'est des copains quoi. Jamais fait de rugby moi. C'est comme au Burger Shot hein, quand on se fait chier, on fait le jeu de la biscotte. Ah d'accord. Tu connais pas le jeu de la biscotte? Si. Ah j'allais te dire. Mais officiellement je connais pas. Moi je fais exprès de perdre à chaque fois. Oh merde. Protéines, hein.
Non, je rigole, ça va trop loin, je vais pas. Ouais, là c'était, ouais. Ah. Bon bah, plus hein. Et bon courage, monsieur. On se reverra dans longtemps parce que. Espèce d'enfoiré. Ah. Au revoir. Au revoir. À la pince. Et bonne soirée. Bonne soirée. Ils sont cool, ouais. Ils sont cool. Je vais me poser là, pépère, le temps que ça reboot. Bon, faire musique. Yo Lanas, comment Yo, va bien et toi? Tranquilo. Dis-moi, tu t'es dispo là? Oui, je suis même au pawn shop. Ok, Et ça bah, je peux passer après la tempête ou? Si. Après la tempête, mais pas trop longtemps, parce que je vais pas rester une ternam, tu vois, après la Ouais, non, mais tempête. c'est directement après la tempête, je viens et je te refourgue ce que j'ai là. D'accord. Tu sais me dire une approximative de ce que tu vas me vendre? De l'or. L'or, il t'en a combien? Des montres en or, j'en ai 29 ou 30, je sais plus. D'accord. Et une dizaine de lingots d'or. D'accord. Et quelque chose comme 300 tissus et 300 bouteilles. D'accord. Donc il va Ok, falloir que je d'accord. fasse des allers-retours, tu vois, parce que je pourrais pas tout prendre d'un coup. Ici, bien sûr. Pas de Voilà, problème, voilà. on fait comme ça. De toute façon, je À tout à commencerai par l'heure. l'or Oui. directement. Ok, ben c'est parfait comme ça, au moins je pourrais m'arranger pour avoir la plate après. C'est ça, c'est ça. Ça Vas-y, bah à marche, on toutes. fait comme ça. À À tout à toutes. l'heure, si. Nickel. Nickel. Back on tour, 1, 2, 3, we all back on 4, you better wake up.
sinon je m'entends pas parler. Bon du coup... Ah si, pour assez sur paillage, bah y'a pas de soucis. Tu sais que je viens d'avoir le mec du pawn shop au téléphone là dans mon RP. Donc je vais aller le voir après la tempête. Enfin, je te parle comme si j'étais en RP. Je vais aller le voir après le reboot du serveur. Mais là j'ai fait pas mal hein. Regarde. Ah, j'ai un bon 30 000 hein, je pense. Avec tout ce que je peux vendre, même plus. Je me suis mis bien, tu vois. 10 lingots, 29 montres. 400 bouteilles, 400 tissus, ouais, je suis bien. J'ai bien plus que 30 000 là. Ah, je les ai fait, en tout cas, j'ai pas attendu. En fait, j'avais pile poil les minerais d'or pour faire 10 lingots. C'est incroyable. Et j'étais full. Ouais, bah 10 000 quoi. Là, j'ai 10 000. Plus les 29 mondes, ça fait 30 déjà. Grosso modo. Plus tous les tissus et les bouteilles, je suis bien à 30 plus là. 100%. Pourquoi j'ai 45 cartons vides dans. Ah, mais c'est sur moi. Faut que je les pose là-bas. Et du coup, lui, je lui ai ramené 32 ressorts, quelques canettes, et j'ai fait fondre un peu d'alu. Ouais, je sais, j'y suis déjà allé au point de shop. Ah, là, je suis bien, là. C'est... Là, je vais être bien. J'attends juste le reboot, en fait. Dès que ça reboot, paf, je vais au pawn shop. Je me débarrasse de tout ça et je serai tranquille, tu vois. Puis ça me fera un peu de thunes parce que j'ai plus rien. Après, je suis pas contre que tu me payes un camion, hein, c'est mon anniversaire demain. J'en rentre. J'ai retenu ce que t'as dit. Tout duc. Excellent. Non mais en vrai la thune faut que j'arrête de l'utiliser en fait, faut que je la garde. Faut vraiment que j'économise parce que dans pas longtemps je vais pouvoir reprendre les taxis et j'aurai pas la thune. De toute façon, c'est sûr, j'aurais jamais économisé toute la thune pour récupérer les taxis. Mais dans la finalité, je vais vraiment la récupérer les taxis. Enfin, tu vois, en fait, j'aime bien mes canaux, tu vois. Si... En vrai, je pourrais rester ici H24, tout le temps. Et ne pas aller au taxi. Mais il manque des taxis dans cette ville-là. Après j'ai un RP qui est full légal, donc ce serait parfait tu vois, d'avoir des taxis full légal. Ils sont tranquilles les gens. Ils sont sûrs d'avoir quelqu'un qui peut les dépanner au cas où ils sont à patte, tu vois. Et je vais mettre un tarif, de toute façon je vais mettre des tarifs qui sont pas, comment dire, pas abusifs tu vois, un truc chill tu vois. Les tarifs et des prix abusifs je les mettrai sur les tarifs de luxe tu vois, là ouais tu vois. Quand les gens ils vont me demander des véhicules de luxe ou des conneries, enfin on va voir ce qu'ils vont pouvoir me faire tu vois. Je vais faire ça tu vois. Mais entreprise de taxi, je kiffe, enfin je sais pas, je kiffe ça. Sur ce jeu c'est juste un régal en fait. C'est sincèrement en train de rôder sur la route. Tu vois des trucs de fou tout le temps à droite à gauche. Je trouve ça, enfin tu sais, plus dynamique comme RP, même si souvent t'as des grosses périodes où il se passe, tu fais que de farmer des clients PNJ, forcément sur ta route tu vas toujours croiser quelqu'un, tu vois, t'as un mec à pied, ou tu vas croiser des gens en train de rouler, ou des gens en train de discuter sur le trottoir, enfin, tout le temps il y a un truc. Et ça c'est bien, tu vois. Tu peux te faire kidnapper. Il se passe plein de trucs, tu vois. C'est
rester sur les... Ouais, la dernière, le dernier serveur où j'étais patron de taxi, avant d'être patron en fait, j'avais été... Je m'étais retrouvé en tant qu'otage pour un braquage de banque. Ah putain. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. C'était pas voulu, hein, vraiment pas voulu. Hein. Il y avait rien de calculé au niveau de... tu vois. Et là, il y a une des fois où j'ai eu de la chance parce que ça avait commencé à tirer de partout. Du coup, j'avais canné au niveau du RP, tu vois. Enfin, pas canné, mais j'ai failli en prendre, quoi. Et l'autre fois, là, une autre des fois aussi où les mecs avaient réussi à échapper au keuf. Et j'étais dans la voiture en fait. Donc les keufs suivaient la voiture mais ils ne tiraient pas dessus. Ça, c'était vraiment un bordel quoi. Et les mecs avaient réussi à semer les keufs, ça c'était... Ça je m'en souviendrai, c'était une belle scène. Mais bref, tu vois, en taxi, t'as tout le temps des trucs de dingue qui t'arrivent. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Après en mécano aussi, hein, ça peut t'arriver, tu vois. C'est pas ma spécialité en fait du RP mécano. Alors pas du tout. C'est pour ça que des fois quand les mecs ils font des réparations, que t'en as un qui vient me dire ouais bon c'est quoi qui est cassé du coup sur la voiture, je suis là, je sais pas trop quoi répondre. Puis j'évite de dire des conneries parce que sinon ça va finir en mode qu'est-ce qu'il me raconte lui. Donc je suis assez évasif tu vois. Ouais les aléas du RP comme tu dis. Après j'ai conscience que le fait que là je sois mécano et que je suis H24 dessus là, ça dépanne beaucoup de monde en vrai. J'en ai conscience. Après il y a moyen que je prenne juste jamais les taxis en fait, hein, tu vois, et que je revende mon dossier à quelqu'un dans le RP, tu vois. Il y a moyen que ça arrive ça aussi. Ça va peut-être finir comme ça d'ailleurs. Puis je vais rester ici au mécano, tu vois. Mais... Si je reste ici, moi mon ambition ça va pas être de rester employé, tu vois. Mon ambition ça va être de monter tout en haut de l'échelle. C'est, je vais pas rester comme ça. Non. Alors je vais pas forcément vouloir la place de mon patron. Hein. Mais au moins monter, tu vois, chef d'équipe, dans les co-directeurs, tout ça, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ah. Et je pense qu'à mon avis c'est ce qui va se passer. Hein. L'entreprise de taxi, je vais pas réussir à la prendre. Par contre le dossier je vais le vendre. En RP évidemment. Parce que patron Beniz en fait j'ai déjà été une fois sur un serveur mais une très courte période en fait. Et ça se passait super bien en vrai. Et je sais plus. Ça s'est terminé que le serveur a fermé. Et c'était sur Osmose. Il y a beaucoup de monde qui s'était tiré d'un coup. Tout le monde s'était tiré, j'ai fait pareil. Mais en vrai, patron mécano, c'est génial. Hein. Quand t'es full civil, c'est génial. J'en ai fait quoi? Incroyable, allez là. J'y étais sur Osmose. Ouais, je sais, j'ai reconnu ta voix. Je sais plus qui tu étais d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens que j'ai reconnu qui étaient sur Osmose, Legend. Osmose, Legend. Jess Palmer aussi, ok. Après, sur Osmose, je ne suis pas avec beaucoup de monde. Hein. Enfin, si, parce que bon, je voyais beaucoup de monde, mais. J'ai toujours été un solitaire, tu sais. Un loup solitaire. Très peu de monde me tourne autour. C'est bien mieux, tu vois, parce qu'au final. Quand tu essaies de dépendre des autres, ça finit toujours mal, de toute façon.
Puis les RP illégales, j'en ai tellement vu avant que sont... j'en ai ma dose. Les RP illégales, ça m'intéresse pas du tout. RP Sims, full légal, ça m'intéresse, ouais. C'est chill, c'est pépère. C'est cool. C'est cool. Puis c'est bien parce qu'au final, ton personnage, il a une durée de vie qui est longue, très longue. Donc tu vois plein de gens arriver, tu les vois canner, tu les vois partir par l'avion. Enfin, je trouve ça cool. Ouais. Et du coup je disais, le RP illégal ça m'intéresse pas du tout. Je veux faire un RP civil qui dure longtemps. J'en ai assez fait comme ça du RP illégal et c'est tout le temps la même chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais en vrai les gens ils se rendent pas compte mais les RP civils c'est un des meilleurs en vrai parce que tu es... Enfin je sais pas, c'est beaucoup plus immersif en fait. Après toute l'expérience de RP illégal que j'ai, le RP illégal c'est un des moins immersifs. Enfin ça dépend avec qui c'est joué en vrai. Mais il y a tout le temps un truc qui est pas immersif. Parce que t'as tout le temps avec un mec qui te fait une connerie qui est pas... Qui est pas RP en fait. Tout simplement. Un problème, tout le temps machin, un truc, enfin c'est bon quoi. RP civil c'est le mieux. Et même en étant civil, des fois t'es mêlé à des conneries illégales. Sans vouloir en fait. Parce que tu vas tomber sur un mauvais moment, un mauvais endroit, où tu vas te retrouver pris dans le bordel en fait. Donc tu seras comme un innocent en fait, un civil quoi. Mais t'es pas dans l'illégal, mais ton RP civil te mêle au truc parce que tu tombes là au mauvais moment en fait. Et ça c'est un truc qui est cool. Mais le contre-coup du coup c'est que en RP civil t'as des grandes phases où il se passe rien en fait. Enfin c'est du Sims en fait, tu joues au Sims. Et moi j'aime bien ça me dérange pas. Je préfère jouer au Sims comme ça, plutôt que jouer au vrai Sims. Parce que le jeu des Sims j'ai jamais aimé bon. Enfin ouais.
Enfin. Je crois que ce qui me fera le plus rire jusque là, là pour l'instant, ce qui m'a fait le plus rire. Il y a pas mal de choses qui m'ont bien fait rire quand même. Ouais. L'ambiance est cool. J'ai remarqué aussi qu'il y en a pas mal qui sont en train de me faire des pics et des vieilles blagues de gay ou de. Enfin de merde. C'est, ils sont juste ridicules en fait. Et je pense qu'il y en a bien deux ou trois qui pensent que je suis un vieux gay. Vas-y, on va faire les fuites kit. On peut se prendre la tête. On va attendre le reboot. Faut y laisser croire. Ouais, mais t'inquiète.